Après Projet Blair Witch 1, Projet Blair Witch 2, Projet Blaireau. Et tu ramènes mon sac, espèce de blaireau? Valfroy, qu'est-ce que tu penses de ton équipe de blaireau que tu vas devoir emmener en, en casquette de glace là? Je crois qu'on va aller prendre un verre en fait. Et je crois que j'ai oublié ma serviette de main pour aller sur la plage ce soir avant de... Oui, oui. Moi je prépare mon... Ouais. T'es dans quel état d'esprit ce soir? J'ai la trouille au ventre. C'est pas vrai. Non, j'espère que Toff va pas m'abandonner en plein milieu de la voie. Sinon il va se faire engueuler par Loli, je t'explique pas. Bon, j'espère que la caméra fonctionne par contre. Bon allez, on va boire un verre alors. Je crois que ça sera. Bon, attends, on va boire une bonne bière. Vous allez boire une bonne bière, le caméraman. Il n'y a plus de carte SIM. Ici, il y a le petit logo carte SIM. Ouais, d'accord. Moi, oui, j'ai un casque tout neuf. Il est beau, hein, mon casque. Merci, Loli. Exceptionnellement, vous aurez le droit à un gros plan sur les fesses de Valfroy. Dans l'autre sens. Voilà. Les fesses de Valfroy. Parce que faut le mettre sur mon sac. Un sanglier à tête jaune. Waouh, t'as vu un peu les piolets? Ah, il y a des journées pires. Hein? Des journées pires. Il est mieux là qu'en prison. Hein. Ah, bah tiens. Ou qu'à l'usine. C'est mieux ici qu'à l'usine, vu qu'on dirait Christophe. Ouais, essaie de viser les trous. Voilà. Olé. Je suis en train de détruire mon. Prends bien sec, hein, Fred. Essaie de rester les piolets bien en ligne au-dessus de toi. Toi, t'as plein de trous, ouais. Parce que les piolets sur le côté, après, c'est pas évident. Ça, faut se replacer par rapport aux piolets. Attends deux petites secondes. Regarde où tu mets les pieds, Fred, avant. Là, tu as un bon ancrage main gauche. Donc, regarde où tu vas mettre les charges des marques. Ces escours. Bon, t'es pas vu. Qui c'est qui me tire? Ah non, c'est Titi, pardon. Je me suis trompé.
Ok, ça roule. Ice. Tu nous laisseras un peu de glace, Titi, hein. Glace ! Glace ! Sinon, ça va, porteur, c'est une bonne condition. Ouais, je crois que j'ai changé de métier. Mais... Alors, est-ce que Fred va réussir à se paumer entre là où il est et nous? C'est possible. Il peut le faire. Putain, on dirait le capitaine Haddock dans Tintin au Tibet. Ça y est, Loli, on t'en a débarrassé. Tof, bah il a l'air bien appliqué. Allez, Tof. Ouais, Titi. Par contre, ça doit porter mieux. Allez, bon, allez. Oh, c'est beau ça.
C'est dans la boîte. Il faudrait une chute, hein, ça serait plus marrant. Hein. Ça se vend pas, ça. Ouf, il commence à faire frais, là. Attention. Hein. Attention aux glaces. Maïs. Eh, dis, tu veux que je t'étale la crème sur ta cuisse? Je veux bien. Délicatement, tout doucement, comme ça. Programme de la journée, Valfroy. Ah, voilà. Promenade. Soleil. Bronzette. Soleil. Plage. C'est un peu à contre-jour, hein, Fred, mais bon. Ouais, ça fait un effet. Il n'y avait que pour moi, quoi. Mais la faute, t'as pas de chance. Il y a un trou, c'est pour moi. On n'est pas bien là. Les contractés du gland. On bandera quand on aura envie de bander. Le maçon au travail. À peu près potablement. Belle petite cascade, des belles petites dentelles. Voilà, de quoi se faire plaisir. Je peux prendre un thé là, si tu veux, que ça fait. Je crois que ta carte elle est pleine. Ouais, faut y aller économique. Là ça cause là. Ouais, c'est bien.